Badjano, comme disent nos amis Songhe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne Cuisine Nabisso. Cuisine Nabisso, c'est une émission qui nous permet de venir découvrir la recette de chez vous. Moi, c'est Christian Mabaka Droba. Aujourd'hui, nous débarquons chez le premier président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire Kasavubu, pour découvrir une surprise. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Bonjour maman Gisèle. Bonjour. Cuisine Nabisso et Gotalayo. Oh. Ah oui. Tu as sélectionné le lot pour Olambe Nabisso recette et l'oubouya Mboka Nabino. Maman Gisèle, Cuisine Nabisso a l'habitude d'europer sa candidat moyen pour qu'il y ait de Wende au Salah. Macha et recette au Olambe Nabisso. Europer sa numéro Nayo, il y a un transfert via téléphone. Bon, il va permettre au Salah. Macha et la recette Nabisso au Olambe Nabisso. Ça va? Papa, j'ai promis. Ok, donc, dernière maman, et permettre au Salah, Bacha, pour cette recette à cette année-là. Maman Gisèle, à 2h, à Ewende, à son Mabiloko, à Yolambe, la recette. Voilà, na ye wenza gambela ko somba bilubu ya lelo na zwa ki mongo na ngana via telephone na ye pona sera bino wenze ko tolia malam. Bonjour maman. Bonjour. Na kana pambe. Ça compte 3000. Yo cher boy. Bien regardé. Alors tu la gardes quoi? Bien sûr. Bon mon père. Père y est 1500. Ok. Ok. Ça va bien de bonheur. Bon mon gars, bon mon. Je suis un peu plus de temps. Lelo na préparé kolambe la bino ndakala nazana ndakala nanga nazana ndembi nazana céleri nazana poivron naza pe na tomate naza pe na matungulu nanga mwa solezanga kate mwa fait de loe nangeza
Bon, to lito banda kolamba lubuna biso. Avant to banda, il faut to sokola maboko pona hygiène et na savon munga. Soko sokola maboko malamu pona ko éviter ba microbes. Surtout biloko e foi za la malamu. Kolamba, il faut que l'on l'a mis avant tout, l'on l'a mis tout, on se pose mis tout des arcana ma banga, na kati, et on te l'on l'a mis tout, balia quand on a mis tout, l'on l'a mis tout pour éviter bah ma banga ou les arcana kati, na silici que l'on l'a mis tout, ya dakala, ce qu'on a dit na cha mai, mai ya malili, en attendant, na chauffer na nous mai à moto. Retiens aussi. Ah ouais, moto est kangi, qu'on a tché maï, n'a mis sur un Dakar à la moto. Échauffé, mais bandeli, tolobaki na olamba, Dakala. Dakar à la colamba, on dengeni, na colamba, on a colombo la mitou. Après avoir colombo la mitou, n'a retiens on a maï à Malili. Après que tu as un malili, tu as un moto pour que tu aies bien et tu aies propre et tu aies un. Après, tu as un peu de temps, tu as un dembi, céleri, tomate, tu as un peu de temps, tu as moto. Après, tu as un peu de moto, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, bien, na kati yango, de na tepuna na kati na kikalungu etoki après avoir kotoka na kozwa ndakala na biso na kotia et puis na sali mélange to kozela quelques minutes po etoka esangala et après avoir kokalinga ndakala to tie des pices na biso après kotia des pices na biso to kozela moins temps ya mukie etoka et puis en tout cas lubu na biso eza simple après avoir kotoka to kokitisa yango pour vous présenter bien. Tozela kimi ndakala na biso elemba mukie na mai ya malili siko na banji ko sokola ngo foko sokola ngo vraiment malamu ko elungula mabanga nyoso siko na tema ya moto nena lobaki ke ifo tochango na maya moto sikoyo na olongola ngusu na maya moto na chango na maya malili poto sokola ngo bien abanga nyonso elongwa ezala toujours propre na cheki kalumu na moto naozele kauka na cha mafuta naocha mwa mungwa na ndakala foko cha mukie pour éviter bato la tension pe baza na profiter na cha pena kib na robalusa we sangana o mungwe kota. Mafuta na biso ezui moto ko na nina chanda kana. Na moni ndakala ekauki. Ko na nina sapete na cha ipisi. Kisi na biso na sena kata ki yango. Na bongisa ki yango deja eza deja pre ya ko. Tuzana na tomate, tuzana na matungulu, tuzana na ndembi, tuzana na seleri, tuzana na feuille. Elbu na biso ebeli,
Ah bon? Hein? Ok. Yango yo. Neka. Papa. Déjà sur la tuto quoi. Bon appétit. Merci. Merci. Comme ça. Chalaï Bibou, on était chez les Songhe. Vous avez aimé? Moi, sincèrement, j'ai adoré la cuisine Songhe. Également, si vous voulez participer, n'hésitez pas, contactez-nous sur ces numéros. Ça sera un réel plaisir de venir découvrir la cuisine dès chez vous. Sinon, ne zappez pas, restez sur B1. L'excellence dans la simplicité.